Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Moi, je sors d'une semaine de Covid et c'est pas facile, hein. J'avais pas encore eu, c'est la première fois. Ce qui est le plus bizarre, c'est quand même le goût et l'odorat, la perte de goût et d'odorat, c'est vraiment chelou. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez spécial, ça va être le refus de clients. Pourquoi refuser des clients et comment les refuser? Avant toute chose, avant de parler du pourquoi et du comment, si tu peux refuser des clients, c'est déjà bon signe. Mais ce que je tiens absolument à te dire, c'est qu'il faut refuser des clients. C'est contradictoire, hein. C'est sûr, on a envie de gagner plus, de travailler plus, alimenter ses réseaux sociaux. Mais des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer et qu'on ne montrera pas. Je reviens à ma vidéo, c'était ma petite parenthèse, pour te dire que la première raison pour laquelle il faut refuser des clients et pour laquelle je refuse des clients, c'est le manque de respect. Alors, ça peut sentir directement au premier contact par mail. Souvent, le premier contact, ça va être c'est quoi le lieu de votre mariage? C'est quoi la date de votre mariage? Salut, je suis intéressé par tes services. Enfin, moi, j'essaye de filtrer assez clairement déjà les bons des mauvais. C'est des gens qui vont répondre. Et pour ça, ils vont prendre le temps de répondre au questionnaire qui est sur mon site, qui va demander le lieu, la date, parlez-moi un peu de votre histoire, enfin, des choses comme ça. Et ça fait un premier filtre. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur Facebook, ils te disent même pas bonjour, ils te demandent pas si tu es dispo, ils te disent c'est quoi vos tarifs? Et souvent ça commence par SAIT à la place de CEST. Et là déjà, c'est mauvais signe, très très mauvais signe. Après, il peut y avoir des gens qui n'ont pas eu l'éducation que moi j'ai eue par exemple. Ça n'empêche que tu dis bonjour. La politesse, ça s'apprend dès le plus jeune âge, mais si tu sais pas écrire CCC, peu importe, tu dis bonjour. Ça, c'est mon premier filtre, quoi qu'il arrive. Si tu me dis pas bonjour, ah, c'est chaud que je te réponde, hein, vraiment. La deuxième raison, et ça arrive aussi très souvent, c'est le mec qui vient te demander une ristourne alors qu'il t'a jamais vu. Tu as jamais parlé. Il vient te parler, il dit ouais, bonjour, vos tarifs, c'est trop cher. Est-ce que vous pouvez faire 20% à Chine avec vous? Déjà, on se connaît pas, déjà. Hein. Pourquoi je te ferais 20%? Ça peut arriver, attention, j'ai déjà fait 20%, j'ai déjà fait 30%. Voilà, parce que le mariage me plaisait, parce que c'était un endroit de dingue, parce que j'ai envie de montrer ça, parce que avec les clients ça s'est super bien passé, et puis qu'ils ont pris un package complet avec la box à selfie, avec deux albums, enfin voilà, là forcément je vais faire des ristournes. Bien sûr, c'est pour ça fait plaisir au client aussi, il faut quand même lui faire plaisir. Et si il te dit voilà, bon, je trouve que vous êtes trop cher, il manque pas grand-chose, si vous pouvez baisser de 50 ou 100 € je signe avec vous lors du rendez-vous. Bien sûr, on le fait, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas laisser partir un client pour 50 euros. Mais la personne qui t'a jamais vu, qui dans ton premier mail ou premier message sur Facebook, qui te demande une ristourne, gros, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc pourquoi je te ferais une ristourne? Déjà, ça, tu sens, ça, c'est mauvais déjà, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est le mauvais payeur, mais commence déjà à gratter. Ici, quand tu vas le voir, il va encore essayer de gratter. C'était ma deuxième raison. La troisième raison, c'est la personne qui va écrire sur ton contrat pour changer quelque chose. Alors ça, c'est mes préférés. Ils sont magiques, ceux-là. Alors, à chaque fois, je leur dis, est-ce que vous faites ça avec votre contrat Orange? Est-ce que vous faites ça avec votre contrat EDF? Non. Alors, tant pis, vous ne signerez pas avec moi. Soit tu me respectes et tu respectes mon contrat. Parce que mon contrat, c'est moi. J'ai travaillé, j'ai fait ça avec un avocat, j'ai dit les grands axes dans lesquels je voulais aller, j'ai noté des choses qui, au fur et à mesure de ma vie de photographe, ont fait que j'ai noté cette petite chose et cette petite chose en plus. Avec le Covid, c'était encore pire. J'imagine, enfin, vous imaginez bien les contrats qu'on a dû faire à cause du Covid. En fait, mon contrat, c'est moi. Donc, tu me respectes, tu ne touches pas à mon contrat. Soit tu le signes, soit tu le signes pas, mais tu le touches pas. Si tu veux pas le signer, c'est pas grave. Tant pis, il va chez quelqu'un d'autre. La quatrième raison pour laquelle, en général, on va pas signer, c'est la personne qui va trop en demander. Tu peux demander plein de choses. Moi, je suis toujours là pour offrir beaucoup, beaucoup de services. Et quand tu signes avec moi, tu reçois un questionnaire. Tu reçois un guide complet du mariage, comment ça va se dérouler ton mariage, la journée complète. Tu vas recevoir une vidéo en plus. Des fois, je sors le drone, je l'ai pas, voilà, ils n'ont pas payé, mais je sors le drone. Enfin, voilà, quand je me sens bien sur un mariage, je fais plein, plein, plein de choses. Il n'y a aucun souci, j'offre un package qu'ils n'ont même pas payé pour, et ils n'ont même pas demandé. Mais voilà, ça s'est bien passé, le feeling est bien passé, tout ça. Mais la personne qui vient dès le début te demander, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça en plus. Alors, je veux tes fichiers RAW. Non. Non, mes fichiers RAW, c'est à moi. Ton image t'appartient, mes fichiers m'appartiennent. Moi, quand je demande de faire une publicité sur les réseaux sociaux avec ta tête, je te demande avant. Tu me donnes l'autorisation ou pas? Si tu ne me la donnes pas, c'est pas grave. Mais si tu veux mes RAW, enfin, tu les auras pas mes RAW. Tu n'es pas photographe, tu les auras pas mes RAW. C'est mon travail. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y a plein d'autres choses. Et ensuite, la cinquième raison, alors celle-là est pas mal aussi, c'est ceux qui veulent changer ton style photo. Ils viennent vers toi. Alors normalement, s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils aiment ce que tu fais. Et là, ils te disent, ouais, finalement, je veux pas des photos trop pastel, je veux un truc un peu dark, un peu sombre.
Bah, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Moi, je suis là pour kiffer aussi. Tout le monde est là pour kiffer. Il faut que la journée là du mariage se passe bien pour tout le monde. Il faut dire ça avec tact, avec délicatesse et tact. Si maintenant tu dois refuser quelqu'un, attention, tu peux être refusé. C'est vrai que j'ai oublié 5e, 6e, maintenant je sais même plus. Mais c'est parce que t'es overbooké. Ça peut arriver, hein, t'as 35 mariages sur l'année. Il y a un gars qui vient et qui dit, ouais, voilà, j'ai encore un petit mariage là. Le problème, c'est que t'as 6 mariages encore à retoucher en retard, on va dire. Faut dire non, à un moment donné, faut dire non. Ou alors tu prends quelqu'un d'autre qui va te remplacer, tu le donnes à quelqu'un d'autre que t'aimes bien. Mais voilà, à un moment donné, faut dire stop aussi. Et ce qu'il faut faire, c'est dire ça avec tact, politesse et délicatesse. Alors des fois, c'est pas évident, mais il faut prendre sur soi et dire, voilà, écoutez, je me sens pas dans votre mariage. Voilà, ça ira pas. Par contre, si vous voulez un autre jour, on pourra faire un shooting grossesse ou un shooting bébé. Il n'y a aucun souci. Je me sens pas à l'aise avec vos photos et je veux pas que ça se ressente dans vos photos. C'est le jour le plus important de votre vie. On le loupera pas. Alors, je vous conseille d'aller vers lui ou elle. Voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!